Un témoignage à cœur ouvert. Stéphane Tapie a décidé de se livrer dans une autobiographie intitulée « Comment te dire au revoir », parue aux éditions Michel Lafon le 12 janvier dernier. Le producteur de 53 ans y évoque avec émotion la mort de son père, Bernard Tapie, emporté par un cancer en octobre 2021, mais aussi sa relation tumultueuse avec sa mère, Michèle Layek, disparue il y a plus de 20 ans d'une leucémie. Un sujet sur lequel il est revenu dans un entretien accordé à Closer, ce jeudi 19 janvier, à l'occasion de la sortie de son ouvrage. Ma relation avec elle a été violente et destructrice à cause de sa maladie, a-t-il confié à nos confrères. Si Stéphane Tapie parle de maladie, il ne s'agit pas de la leucémie de sa maman, mais de son alcoolisme, un mal dont il a visiblement fait les frais durant sa jeunesse. L'alcoolisme est une maladie et non un vice. Pas facile pour un gamin de 12 ans de voir sa mère dans de sales états, a-t-il avoué non sans pudeur, avant d'affirmer y avoir laissé une grande partie de son équilibre. Aujourd'hui adulte, le demi-frère de Sophie Tapie a gardé quelques séquelles de l'alcoolisme de sa mère. Sa maladie m'a tellement traumatisé que je n'ai jamais pu boire une goutte. Ça m'est insupportable d'être à côté d'une personne qui sent l'alcool. J'associe cette odeur à des moments d'une trop grande violence, a-t-il effectivement confié. Bernard Tapie, Jean-Paul Belmondo. Voici les 10 morts les plus recherchés sur Google en 2021. Stéphane Tapie toujours marqué par la mort de sa mère. Si leurs rapports ont été compliqués, cela n'a pas empêché Stéphane Tapie de vivre avec douleur la perte de sa mère, en août 2000. J'ai vécu sa disparition comme la pire des injustices. Je n'ai pas assez profité d'elle. Tout ce que j'ai pu faire avec mon père à la fin, si est-il à dire investir dans les souvenirs, je n'ai pas pu le vivre avec ma mère, a-t-il fait savoir dans les colonnes de Closer. Un drame que le père de famille n'est jamais parvenu à digérer. Son absence est un cri de rage, de manque permanent. À chaque instant de ma vie, j'ai envie de lui parler, a-t-il conclu avec tristesse. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Jacovi de Moreau.